Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher le char d'assaut d'un adversaire avec un pistolet en étant accroupi. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir à Tilted Tower parce que pour l'instant il y a toujours un char de disponible contrôlé par les gardes de l'IO. Donc logiquement le défi peut se réaliser avec les gardes de l'IO. Si ça ne fonctionne pas avec les gardes de l'IO, il faudra le faire avec un joueur normal qui contrôle un char. Ça va être beaucoup plus difficile, mais voilà, c'est quand même réalisable parce que ben, les joueurs prennent souvent les chars, donc ça va. Mais je pense que le défi peut se faire avec un garde de l'IO. Donc là, les gardes de l'IO ont contrôlé le char parce qu'à chaque fois que vous venez dans Tilted, ben, les gardes de l'IO contrôlent le char. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un pistolet. Donc ça, le revolver, c'est un pistolet. Donc dès que vous trouvez cette arme, vous la prenez. Ensuite, vous allez à Tilted Tower, hein, allez directement à Tilted. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous infligez des dégâts au char directement. Alors, je mets pause à la vidéo parce que j'ai fait une erreur. Dans le défi, il est marqué qu'il faut infliger des dégâts à un char en étant accroupi. Et dans la vidéo, je vous le montre, mais en étant debout. Donc très important, accroupissez-vous pour infliger des dégâts. Sinon, le reste de la vidéo est correct, c'est juste que j'ai oublié ce petit détail-là. Il va falloir infliger 200 de dégâts au char avec votre pistolet pour que ça fonctionne. Pour valider le défi. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts au char avec votre pistolet, et ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.